Yo la team, donc on part sur une custom. Donc là il me propose de custom 3 voitures. On va custom la petite Mustang Boss pour participer au custom show. Donc on va commencer directement sur l'esthétique. En premier temps, qu'est-ce qu'on a en capot qui pourrait être sympa? Noir mat, un petit peu bombé, ok, carbone. Voilà, pour moi on dit muscle. Voilà, on va prendre celui-là qui est beaucoup plus beau. Okay, donc là on est 8000. Ok. Pare-choc. Oh. Un peu pare-choc Eleonore, je trouve. Pas mal du tout, ça aussi. Ah, de la gueule, hein. Ah. Ah, celui-là, il a de la gueule. Ok. Tel bombé. Bon, là, il est en carbone. Moi, je suis pas friand du carbone du tout. Donc, on va mettre les ailes bombées classiques. Jante, ça doit être buggé, non? Parce que... Ah, ok. Ça charge. Est-ce qu'on n'aurait pas des belles jantes à déport? Vraiment nous faire un peu muscle vue d'ensemble, voilà. Ouais. On a pas des jantes un peu rétro? Ah, voilà. Ça peut coller bien. On va mettre celle-ci. On va les mettre. Est-ce qu'on a des types de couleurs ou pas? Genre mat. J'ai pas l'impression. On va laisser des petites jantes. Attends, par contre, j'ai mis du blanc pour eux. C'est blanc, ça? Ouais, écoute. On va mettre des petites. On est en muscle, donc on va pas mettre du 20 pouces. Intérêt. Étrier à l'intérieur. Bon, on va mettre du rouge. Rétro. Ouais, classique, ça suffit. Bon, bah, et l'arrière, je pense, ça va être le même qu'à l'avant. Celle bien bombée. Aileron. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme petit aileron? Là, elle est sympa. Pare-choc arrière. Alors là, ça va être intéressant, pare-choc arrière. Oh, les feux noirs, par contre, c'est ouf. Ça part un peu trop. Ok. On arrive sur les derniers kits. Quand même badass celui-là, quand même. Hein. Mais il colle pas avec le reste du véhicule. Regardez là. Ah, il colle pas du tout avec le reste, le diffuseur, non ça va pas. Carbone à l'arrière. Ouais, feu noir. Hein. Ouais, feu noir. Feu noir, par contre, le pot d'échappement. Plus fan de cela. En titane. Intérieur. Je vais la mettre couleur un peu Eleonore, donc je pense que je vais mettre un intérieur crème. Ouais, un peu, ça fait un peu camel. Oh. Ouais, prison. Là. Atario, on a qu'un. Finition. Oh, à l'époque, ouais, un petit boisé comme ça. Va laisser en blanc, je préfère, dans ce cas-là. Hop. On est pas mal. Peinture. On a peinture à la métallisée. Chrome, mat. Non, pas ça. Irisé. Ah, ok, voilà, ouais, c'est avec les. Avec pas mal de reflets. Je vais mettre celle-ci, moi. Reste classique. Vanité, c'est quoi les vanités? Ah d'accord, c'est ça. Ok. Voilà, carreau teinté, ouais. Prends pas de klaxon. Ah, on remarque. T'as pas un klaxon vraiment américain?
C'est aigu tout ça, hein. Il y en a un qui ressemblait pas mal à un truc américain. Ah, c'est celui-là. Bien, bien grave. Livret. Alors, on va regarder ce qu'il y a, mais bon. Normalement, livret, ouais, voilà, ça va être directement. Bande ou quoi. Ouais, voilà, on reste classique. Vraiment classique. Des petites bandes blanches. Des bandes noires. Pas sont mieux faites les bandes là. Et là, du coup, maintenir Y pour s'inscrire au custom show. Voilà notre teaching. Elle est ici. Donc, les gars, n'hésitez pas à aller voter. Je sais pas du tout ce que ça fait. Vous venez de voter pour vous-même. Ils disent quoi? Je sais pas ce qu'on a à la fin, apparemment on a des récompenses. Et voilà, au moins on est sur un look plutôt sympa. Oh, il a un nounours sur le toit. On va quand même voter un peu les autres, hein. Regarde un peu ce qu'il y a. Ah, il a des pneus différents. Bon, la DeLorean, elle est hyper classique. Ah, moi par contre sur la Mustang, j'avais pas le niveau de du dessus des vitres. Je pense que ça dépend du qui. Ah, peut-être des pièces qu'on trouve aussi. Elle a une très belle gueule celle-ci par contre, j'aime bien. Non. Franchement, sur la catégorie qui est belle, là, c'est ici. Donc elle, on va voter. Pour elle, ok. On va voter une fois au cas où, je sais pas si ça a bien validé. C'est bon, ça a validé. Donc elle, clairement, c'est la plus belle. Dans cette catégorie-là. Là c'est pareil en fait, ça va être elle, hein. On va voter. Ça va être trop coloré en fait, ça fait trop Jackie Tuning en fait. C'est là, c'est de l'américaine, donc je trouve ça un peu con. Oh, c'est stylé les vitres démoniaques et tout. Ah, clairement celle-ci, le look il passe mais à merveille. 25e, ah ouais, non, c'est la bulle. Ça passe trop bien. Ah, petit prix. Alors là, on est pratiquement tous en gris. gris bande noire, ok, belle jante. On est plus dans un peu old school. Sympa aussi, j'aime bien. C'est lui le premier pour l'instant. Ah non, il a eu un cœur, ok. Un cœur. Aussi, bon, ça je pense c'est les cœurs. 3 cœurs pour celle-ci, mais elle est dégueulasse. Je sais pas c'est qui, mais elle est vraiment dégueulasse. Pour moi, pour l'instant, j'hésite entre ces deux-là. De droite et celle de gauche. Ah ouais, c'est de droite. Allez, on met un vote. Ce sera le deuxième. On a fait tout le salon, on a fait là-haut, on a fait là-haut. Pour ça, du coup, c'est ma titine. Ah ouais, non, il y a encore là-haut aussi. Oh, mais j'ai pas eu de vote, j'en ai pas, je suis à zéro. Ben non. Alors là, clairement, il n'a aucune de belle. Donc je vais pas voter ici. Malheureusement, il n'a aussi aucune de belle. Enfin, malheureusement, les couleurs. Bon, après, moi j'aime bien le. Vraiment le côté un peu simpliste et puré. Au fond, ça là, elle est belle. Pas fan du capot, mais pour le. La couleur verte qui est vraiment recherchée, on va voter. Bon, elle, il n'y a pas photo. Bon. On va monter en haut, parce qu'en fait, il n'y a plus rien. Ah, c'est le top 10. Ah oui, c'est celle que j'ai votée, non? Non. Ah non, elle est dans le top 10, du coup, celle-là. Top 10. Ok, donc elle, c'est quoi? Elle peut voter ou c'est... Ah non. Elle a eu 23. Ok. Ouais, elle est vraiment belle.
Elle, par contre, quatrième, vraiment, les gars, ils ont vraiment pas de goût. Elle est dégueulasse. Deuxième, avec une belle couleur, mais ouais, j'aime pas du tout les contours chrome. Troisième, ok, pour ça, là, bon, après, c'est la MD contre l'autre. Elle, tu vois, c'est con à dire, mais celle-ci qu'elle a, pour moi, c'est la plus belle en termes de l'esthétique. On est vraiment sur un truc un peu racing de l'époque. Typique ce qu'on pourrait avoir sur une muscle même de maintenant, d'aujourd'hui. Ça pourrait être clairement une déco qui serait comme aujourd'hui, clairement. Que ça, bon, bah ça c'est trop bling bling, ça n'existera jamais, et puis c'est hyper dégueu. La Dolorean, belle couleur, mais elle est vraiment dégueu. Ouais, clairement celle-là. Elle, je la mettrais numéro 1. Et là, du coup, numéro 1, c'est qui? Numéro 1, c'est lui? Oh là là, elle est dégueulasse. Très moche. Dites-moi les gars ce que vous en pensez de ça, du custom show. Lesquels vous aurez voté, clairement. Bon, le petit Rayman sur le dessus, c'est joli, hein, mais premier, clairement, ça vaut pas du tout sa place. Un peu comme toutes les autres, je vois pas trop. Peut-être que les gens, ils aiment bien un peu le côté extravagant ou quoi, mais non, je trouve ça vraiment, vraiment dégueu. Il y a beaucoup de monde autour de ma caisse, hein. Il y a beaucoup de monde, hein. Ah, il y a eu un petit vote! Yes, baby! Vas-y, mets-moi un petit vote! Nous, on est sob, on reste dans l'American Muscle. Bon, les gars, si je reste ici, je vais regarder à chaque fois s'il n'y a pas quelqu'un qui vote. N'hésitez pas à mettre le petit like, de vous abonner, me dire ce que vous en pensez de ce petit mode, et on se dit à la prochaine. Tout le monde!